Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Leg. Je suis en compagnie de Guigui. Salut. Et d'Anthony. Salut. Et de Seb. Salut. Non, Seb, désolé, Seb est occupé, en fait, il ne peut pas nous répondre. Il est dans la cabane de chantier, il a une grosse diarrhée. Ça va, Seb? Oh. Ah, il dort mal encore au DR, il va sortir encore les jambes écartées. Eh, j'ai oublié de passer un coup de machine là, en dessous le. Comment ça s'appelle le rond-point, et il y a de l'herbe qui. Il y a de l'herbe qui dépasse du rond-point. Oh. Bon, Guigui, on a compris que c'était toi, tu te moques de lui, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas si on peut faire le tour du rond-point quand même avec ça, avec la machine. En vrai. Ouais, si, normalement si. Bah, si, tu peux la casser pour que. Ah ouais. Pour que... Oh la vache, mais tu la casses un paquet en plus. Ouais. Et en plus, t'as le truc qui tourne, la lame qui tourne. Elle est vraiment bien faite. Donc, je rappelle encore. Que pour avoir les mods, il faut aller sur TP Simulation qui est dans la description, s'inscrire, qui est tout à fait logique. Il faut aussi, attendez, que je réfléchisse. Il faut s'inscrire, se présenter et ensuite être patient. Donc, je le répète encore une fois, puisque j'ai eu au moins une dizaine de personnes qui m'ont envoyé au moins 80 messages en une semaine. Comment c'est sûr que si vous faites ça sur le forum, vous n'aurez jamais les mods. Encore moi ça va, j'ai été tolérant je pense, 81 messages chacun, au moins. Allez, j'ai compté 81 pour 1, donc je me dis 81 pour les tous, pour les 3. Allez. c'est énormément de messages rien que pour avoir des mods. Donc moi ça va, je suis tolérant, mais c'est sûr que si vous faites ça sur le forum, vous n'aurez jamais les mods. Jamais, c'est sûr. Soyez patient, il suffit de s'inscrire, de se présenter et de répondre à... Bah de participer un peu au forum, un peu comme vous participez un peu à ma chaîne en fait. Et vous me dites des, vous me laissez souvent des commentaires et tout, bah là c'est pareil en fait, sur le forum là vous. Ah merci, c'était gentil. Ah je vois le travail. et donc ouais c'est. Oula, je suis parti comme une fusée d'un coup. Donc ouais, soyez soyez actifs sur le forum, vous allez voir, ils vont vous passer les modes. Surtout que là, ils ont sorti un nouveau mode, là, il est magnifique. Quelqu'un l'a vu ? La non. Grosse grue, là, pour la... Ah oui, oui, ouais. Ah, elle est magnifique, hein ? Ouais. Oh. Donc, n'hésitez pas à aller, hein. C'est pour ça que je vous le conseille, le site, parce que, voilà, c'est pas des modes qui sont verrouillés, hein. C'est juste qu'il faut être... faut participer au forum, qui est tout à fait normal, en fait. C'est pour qu'il se développe, hein. C'est pas pour vous faire chier, hein. Exactement. Voilà, c'est pas pour vous casser les couilles, c'est juste pour que le forum se développe. Et puis quand on voit le boulot, franchement, quand je vois les mods, je me dis ouais, je veux bien les aider à se développer. Hein. Après, je prends pas des forums où le forum est un peu fermé, où est vraiment où on peut limite, je pourrais rien vous passer. Là, je suis sûr, j'en ai eu même, je vais vous dire, j'ai eu des commentaires, des retours. Comme quoi, les gens, ils avaient déjà les mods, hein. Donc c'est que ça marche, hein. C'est que ça marche très bien. Moi, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, mais moi, je sais pas trop me servir de cette machine-là, mais bon, j'espère que je fais ça bien, quand même. J'ai jamais conduit de ce genre de machine, donc... Tu veux pas m'acheter plutôt le Tesco Agro Vector, hein. Ouais. Avec la fourche à balle plutôt, parce qu'avec One Man, là. T'arrives pas à aller le One Man. Non, c'est alors à partir de véhicule. Pardon. Hop. Fais pas le rond-point trop gros quand même, un peu. Hein. Au mieux, tu utilises la route, toi. Moi, je m'occupe du rond-point. Tu l'as fait partir vers où aussi? Non, mais la route, celle que j'ai commencé, moi. Elle est pas assez large, hein. Ouais. Pas trop large non plus.
Ouais, genre pas trop petit non plus. Passe, là, j'ai carrément mieux fait la route avec ces mods que la première fois où j'avais commencé avec Guigui. Tu te rappelles quand on avait fait en live? Oh, ouais. Oh là 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 là. La misère. La misère. Non, c'était pas nous en fait. C'était nos sosies qui jouaient. Voilà. Il est sorti ça, non? Je sais pas. Il est toujours dans la cabane de chantier, il a toujours la chiasse. Ah, il est toujours chiant dans la cabane de chantier. Ah. C'est que je le remets en paix avec mon télescope pour le... Non. Laisse-le tranquille, il va te faire caca. Non. C'est ça, c'est comme ça? Oh là là. Elle est au point cette machine. C'est dingue. Jouer une comme ça en vrai, c'est possible ou quoi? Ouais. Ça dépend quel chéquier que tu as. Moi aussi, ouais, ça dépend. Oh, oh, faut pas être trop vite, jouant. Donc. Attendez, je suis en train de réfléchir parce que après c'est pas tout de faire n'importe quoi. Faut que je reparte dans le sens là après. Et que je parte dans ce sens là. Oh, je me complique la vie moi. Et après Hop là. Le GPS. Bah moi j'arrive pas à l'enquiller, comment tu fais? T'appuies sur 6. Ah ouais, yes. Je l'ai. Ok, et après? Quand t'es revu à l'intérieur, seulement ça marche? Non? Ouais. Normalement, tu vois à l'intérieur. T'as fait 5 aussi? Non. Appuie sur 5. Ouais. Normalement, t'as un GPS qui apparaît sur ton tableau de bord. Ouais. Et après, comment je vois dessus? Parce que là, c'est pas tap-tap, hein. Non, il marche pas en vrai. Hein. C'est pour faire beau. Hein. Oh, pff, d'accord. Ça fait peur, hein. Moi j'ai cru que j'allais pouvoir aller droit et tout, là, que ça allait être super. Non, ça aurait été trop beau. On sait jamais, hein, vu les mods. Ah, oui, oui, oui. Ils sont de plus en plus beaux. Peut-être un jour. Ouais. Farming s'améliore de mieux en mieux, hein, quand même. Hein. Les mods, plus ça va, plus ils sont beaux. Parce que là, on va pas vous parler d'un truc que nous on a vu pas mal. On l'a vu déjà, que vous verrez bientôt. Vous allez voir que les mods, ça, c'est on a même plus de mots pour les décrire. Alors pour l'instant, c'est sûr qu'on peut pas vous en parler. On vous en parle juste comme ça en fait pour vous donner l'eau à la bouche. Histoire de vous donner envie. Les gros salauds quoi en fait. Non mais ce sera disponible d'ici 15 jours. D'ici 15 jours, ce sera fini donc. Ce sera fini. On pourra vous donner des trucs. 15 jours 15 jours, ouais, ça va, c'est long, pas long. Jours, ils vont le dire. C'est parce que c'est parce qu'il faut demander des... faut savoir ce que c'est, et demander des autorisations, faut savoir... C'est pour ça, hein. C'est pas pour vous faire chier. Juste pour savoir si c'est pas des modes, on sait jamais, hein, des modes de piquer à quelqu'un, machin... On est obligé tout le temps de se renseigner, hein, parce que voilà, il y a le respect des modeurs, hein. Ça... Ça peut-être des fois je peux me tromper, ça peut arriver, on peut se tromper, machin, mais essayer de respecter le plus possible les modeurs, c'est un but. Hein. C'est mon truc quoi. C'est hyper important. Hein. Surtout quand on fait du farming, je pense que c'est une obligation. Vous n'êtes pas d'accord vous? Ouais, si c'est vrai. Bah si tu les respectes pas. Ah, mal, hein. Ouais, en même temps, tes vidéos, tout, si on les piquait, mais, et puis non, même, c'est pareil. Non mais je veux dire, ouais, mais même, quand tu regardes, sans eux, on ferait quoi? On serait sur la map d'origine. Ça fait longtemps qu'on serait parti de YouTube. Ah bon, c'est longtemps que j'ai arrêté de jouer, surtout. Alors regarde, sur PS3, t'as joué combien de temps? 3 semaines avant de vendre la console. Ouais, ouais, c'est clair. Au moins 3 semaines. T'as dû jouer 3 semaines après. Alors, 3 semaines, j'ai dû jouer 15 jours, allez. Une semaine et demie, 15 jours à fond, enfin, après ça me fait mal. Ouais. Quand je voyais pas de multi arriver, allez hop, tu dégages. Pas de multi, pas de mode. Ouais. Ah, oh,
certains m'ont dit que c'était parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un tel succès. Tu m'étonnes, ils avaient mis le jeu déjà cher. Sûr de quoi? Son console, il était cher. Ouais, Ah oui, il est cher, surtout pour ce que c'était. Quoi. Pour ce que c'était, surtout. Antoine, je ne vois pas bouger depuis tout à l'heure, t'as la chiasse aussi? Non, non, je bouge. Tu bouges? Ah ouais. Ouais, c'est parce que je fais les finitions. Voilà. Trop tard, c'est déjà pris. Hein. Moi, si j'étais toi, j'irais pas après lui. Hein. Comme j'ai eu un message sur YouTube, les toilettes, il n'y a pas de toilettes alors. Ouais, il disait que c'était moi en plus qui était. Ouais. Et nous, on a. Tout le temps moi là. Au mi-octobre, pour faire des trucs comme ça. Voilà. Et nous, on a changé. On profite que Sam n'est pas là pour foutre un peu de sa gueule. Ça fait du bien un petit peu. Voilà. Ah, Guigui, tu peux te venger un peu voilà. De la perte de ton fast track. Parce que Guigui arrête pas de se faire chambrer, hein, hors caméra. Ouais, voilà. C'est la Saint-Guigui tous les jours. Ouais, ah, moi c'est ma fête tous les jours. Mais bon. Ça va. C'est bon enfant. Ouais. Bah, après, c'est Seb, hein. J'en aurai du temps à faire tous les virages, en tout cas j'ai fait autant de virages. Ah bah je t'ai dit en plus. J'ai pas pu faire de 2 virages et une ligne droite terminée. Mais sans déconner, j'en ai foutu, allez, sur le 5ème depuis. Oui, je mettrais les trucs à passer aussi, hein. Ouais. Le 5ème en train d'essayer d'aligner, je fais un petit espace entre chaque histoire de gagner un peu quelques centimètres à chaque fois. Oh, vous avez entendu, il triche. Ouais. Mais non. Donc je pense qu'au prochain épisode, on va mettre les bâtiments à placer. Donc déjà, nous, ça va nous prendre un petit peu plus de temps parce que voilà, le temps qu'on se télécharge et tout ça. Donc bâtiments à placer, on va pas goudronner la route qui est là. On s'excuse. Tout simplement parce que déjà, rien qu'on a fait la piste, c'est la misère pour jouer. Ouais, tu m'étonnes, tu passes à côté du truc de goudron. En solo, c'est génial. Hein. Franchement, en solo, il n'y a aucun problème. En multi, c'est vrai que on descend très vite en FPS. Moi, je tourne à 60 d'habitude, je suis à 20 là. Donc, c'est pour vous dire comment ça tire. Hein. Et même un pauvre Guigui là, depuis, il voit plus les véhicules, mais ça c'était déjà depuis longtemps qu'il voit plus les véhicules. Ça c'est de la vraie passion. Mais il voilà, voit plus rien. Ouais. Donc on va changer de map. D'ailleurs, alors, est-ce qu'on va changer de map ou pas? Oui, on va changer de map, mais je veux dire, j'avais un projet, mais je sais pas si je peux le mettre dans le projet parce que après, il faudrait que tout le monde ait les modes en fait. A voir. Je vais voir comment je vais faire. Je vais voir, mais c'est sûr, de toute façon, on fera sur une map, déjà une map qu'on aura testée mieux. Bah, celle-là, on l'avait testée, on avait vu qu'il y avait un problème. Mais non. C'était la seule en TP, à l'époque, on n'avait pas de mode. On n'avait pas de mode de forum à l'époque. Non. Donc on est obligé de faire sur une map TP. Maintenant on a nos modes qui vont partout. Donc limite on peut faire sur n'importe quelle map qu'on a envie. Il en fait. Y a plus de maps aussi maintenant. Si on a envie, on peut refaire les travaux sur la Eden Eaton. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. On les met dessus, on refait tout la Eden Eaton. Hein. vu qu'elle est déjà bien faite, on n'a rien à retoucher. En fait. Oh oh. Je me suis planté. Tu t'es planté? Ouais. Que je vienne. Non, c'est bon. Non, oh, c'est de la force, cette machine là. Combien ça fait de chevaux à peu près, cette machine? Ouais. Je pourrais pas te dire vraiment, mais je sais que, comme je disais la dernière fois, Guigui, marche avant, marche arrière, ça va à 70 km/h. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ça, de toute façon, ça roule sur la route, ça. Ouais, ouais. Donc je vais arrêter de faire jouer sur mon rond-point. C'est pas grave, il y aura des mauvais arcs sur mon rond-point. Tu peux plus lever. Guigui. Quoi? Il faut mettre un coup de désherbant. Ouais, voilà. Ou bien on mettra Sam avec sa binette. Ah ouais. Essaye de télécharger une binette pour lui. Ouais, j'ai pas. Non. Il donnera la débroussailleuse. Ah ouais. Ouais, mais non, la binette c'est plus marrant. La débroussailleuse, ça fait propre, moi. Aussi. Donc là, il y avait le parking.
Donc tous les bouts dégueulasses. Tous les bouts dégueulasses, bien sûr, on va mettre... on va ressemer de l'herbe, hein. Tous les bouts qu'on a un petit peu foirés. En fait, nous, ce qu'on a voulu faire un petit peu, c'était du SimCity un peu sur farming, en fait. Hein. C'est ça, hein, un peu le but. Hein. Ouais. De prendre la map et de la construire un peu, de la reconstruire un petit peu avec avec des objets de farming, avec les mods qu'on pouvait trouver sur farming. Voilà, c'était ça l'idée en fait. Et j'ai trouvé ça génial en fait. Et je trouve encore ça génial. Juste que c'est dommage qu'on peut pas faire tout ce que j'avais imaginé en fait. Voilà, c'est ça que. Parce que la map elle veut pas, c'est tout. Sinon, on va faire. Mais donc, c'est pour ça que sur l'autre map, attention, j'arrive. Sur l'autre map, on le fera, hein, tout ce que j'avais imaginé. Si ça passe quoi. Parce que là, à la base, on a exploité un tiers de ce que je voulais faire en fait. Parce que moi, après, je voulais mettre des bâtiments vers là-bas et tout, faire un centre-ville limite. Il y a tellement de modes à placer, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, c'est énorme le nombre de modes à placer qu'on peut mettre. Et on n'est pas obligé de mettre d'ouvrir la map pour le faire. Par contre, j'ai peut-être un peu fait là l'écran de mon entrée. Hein. Oh non, ça va. Enfin, ça dépend si c'est celui qui rentre dedans. Bah, pense au bus, hein. Bon, là, aux aéroports, ah, il ouais, y a des bus qui viennent. Bah, on a dit qu'on allait le mettre. Hein. Alors, pourquoi j'arrive pas à baisser mon... Non. Ah, c'est 6 et 9. Ok. Là, ça va être déchaîné, là. Mais je sais que ces machines, là, sont énormes. Ouais. C'est des sacrés joujoux. C'est très dur aussi à conduire. Bah ouais, je vois ça. Ouais. J'ai vu en Amérique, ils enlevaient la neige avec ça. Ah oui, oui, ouais. Ouais, pour dégager... C'était quoi déjà, Guigui, le titre de la série, c'était les bûcherons de l'Estrême. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Les bûcherons de l'Estrême. Ouais, ça devait être un truc comme ça. Ah, oh, c'était bien, ça. Ouais, c'était les bûcherons de l'Estrême. Tu sais, où ils allaient dans les marais et tout là. Ouais. Ça c'est hallucinant ça aussi comme métier. Mais il y avait un jeu vidéo là-dessus, un jeu de simulation là-dessus, mais il est pas top quoi. Attends, c'était ouais. En 2010. Pareil pour les pêcheurs aussi. Les pêcheurs, il y avait un jeu aussi, les pêcheurs d'Alaska là. Ouais. Par contre, quand elle part. Ah ouais. Donc si je baisse la lame à l'avant, vous allez voir, elle fait rien. Normalement. Je dis normalement parce que c'est là qu'elle fonctionne. Moi, ouais, elle fait rien. En multi, hein. C'est en multi, hein, seulement. Si, elle m'empêche d'aller droit, en fait. En solo, elle marche bien. Ouais. Ma lame. Donc ça va être un épisode assez assez court, tout simplement parce que en fait moi ça fait exactement une trentaine de minutes à peu près que je suis rentré à la maison, donc j'ai pas eu le temps encore de manger rien, donc j'ai la dalle et il est arrivé 21h30. Donc je suis un peu claqué, la journée a été très 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 dure. C'est pour ça, je suis en mode posé, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, je parle tranquille. Je suis un peu enroué en plus. Mais voilà, je suis en mode tranquille moi. C'est mes collègues qui travaillent. Comme d'hab en fait. Moi je suis tellement concentré que mes bouts de paille à pas faire n'importe quoi. Ouais, là c'est vrai que faut vraiment que tu sois concentré toi.
Con tu es, ça je suis sûr. Mais alors centré, ouais, centré, c'est... Centré de con. Centre de con, peut-être. Non. Par contre, tu vas pas rester sa journée là-dedans, lui. Hein. Parce qu'en plus, je suis en train de les mettre sur le côté, tu sais, je les mets pas à plat. Seb, tu sors? Seb. Bon, j'arrive à le lever avec un machin avec le télescope, tu vois. Attends, j'arrive à voir un petit peu ce que tu fais. Là. Allez, on va aller voir un petit peu Guigui ce qu'il fait. Non, laisse-le là, je m'en sers. Ah, pourquoi faire? Bah, tu vois. Ah, tu le mets dans le sens là, tu te fais chier en fait. Bah, faut faire ça bien. Moi, je pensais que t'allais mettre deux par deux en hauteur. Bah, c'est mieux comme ça, je pense. Ah, ouais. Ah, ouais. Non? Ouais, si, bon, ouais, c'est pas mon problème, hein. C'est pas moi qui les pose. Ah ouais, bon, écoute, c'est toi le patron. Hein. Pourquoi bah, plus... Ça veut dire qu'au premier virage, on les couche tous. Regarde, toi. Tu vois mon ballot de paille sur ma fourche? Ouais. Moi, je vois pas, je vois moitié en l'air. Ah ouais, là, il est en l'air, ouais, il est pas posé. Attends, vas-y, laisse-le-moi alors. Ah, regarde. Et... Ça c'est des ballots de paille après Guigui. Ouais. Et normalement là tu le pousses un peu, on fait une petite marche arrière One Man, tu vois, et tu poses pour coller. Eh mais là il est toujours accroché à ton ballot, hein. Bah non, moi je vois où je l'ai laissé. Eh vas-y, retourne où tu étais parce que ça marchait bien juste avant que tu arrives. Ok. Bon bah et alors Ah ouais, tiens, t'es parti, mais non ça marche, tiens. Il est revenu sur mon truc. Tiens, moi je vois la machine. T'es contagieux en fait. Hein. T'arrives à voir sous la machine aussi pour faire la vidange, Anto? Allez, la souris. Vas-y, tu Ah ouais, je peux faire la vidange, ouais. Le dur Romaric, il avait le MB-Track, là. Tu peux revenir pour remachiner voir, si tu veux. Je vais poser mon ballot. Non, je te jure, t'es parti, mon ballot est revenu sur ma fourche. Je te parle plus, toi. Tu connais toi un certain Guigui, Anto? Non. Il arrête pas de me spammer de messages, hein, il m'énerve. Je connais pas moi ce mec là. Oh, quand un emmerdeur. Ouais. Il arrête pas de me marquer, je fais partie de la team originale. Je dis, je connais pas moi, fais pas chier. Tu connais des originales? Et après, il arrête pas d'envoyer des messages. Je peux avoir les mods. Envoie-moi ta sauvegarde, Oh, il est chiant. Oh, non, te casse pas la gueule. Non. Ouf. Non, mais là, on avait l'impression que c'était toi qui étais en train de faire kéké, là. Hein. Mais non, je prends mes trois ballons de paille d'en haut. D'un coup, je vois la pile qui commence à partir en arrière, je fais non. Du coup, je fais une petite marche arrière, t'as les deux ballots qui reviennent devant, et t'as tout ce qui est en dessous qui va vers la pile. Et je voyais les piles de côté commencer à tourner vers l'autre côté. Tu m'aides à finir le parking là, Anto? Ouais, attends, je fais encore le petit bout de virage, là, ce qui est depuis assez. Ah ouais, tu n'aimes pas le virage? Non, je vais casser un coup, là. Ça sera bon. Ça sera formidable. Ah non, vous avez pas à vous remettre la chanson d'hier. Merde. Bon, bah j'ai agrandi mon truc. Là, de toute façon, je vais aller. Maman, d'où est aussi dit. D'ailleurs, c'est toi qui vas avoir mal au cul. Non, c'est Seb qui a mal au cul. Mon cul de j'aime. Non, je te jure. Ah, heureusement qu'il est pas là pour se défendre. Ouais, il va se défendre. Je vais aller voir. Voir ce qu'il a dit sur toi, Guigui. Bon, voilà, ça devrait être bon là. Ouais, en tout cas, c'est plus joli que la première fois qu'on l'a fait. Hein. Ouais, ça va mieux, ouais. Toi, tu te fais notre gueule, ça va chier. Non. Ah ouais, je pense que le parking ça va être bon aussi. Hein. Après qu'il soit énorme non plus. Hein.
Bon, là, il y avait déjà les traits, c'était. Parce que c'est la marque où était le champ en fait, où s'arrêtait le champ. Le jour où on l'a ressemé, le jour où ça a planté. Vu qu'on a mis un ouvrier et lui, il va pas jusqu'au bout. C'est un feignant. Et wesh, c'est un feignant. Ouais. Ouais, les ouvriers là, sur farming, je suis tout le temps à leur crier dessus quoi. Tu m'étonnes. Eh, c'est bon qu'on veut pas parler de taper de ce dessus corps. Parce que. Ils ont de la chance qu'on peut pas leur taper dessus les gars. Oh putain ouais. Parfois c'est pas l'envie qui manque. Ouvrier en détresse. Faut aller des touffes d'herbe, elle veut pas s'en aller, c'est chiant ça. Bon, on passera un coup de bulle. Merde, j'ai dérapé sur la route. Tu pourras refaire les enrobés de la route. Hein. Non, il suffit de passer le sommoir. Et ça répare. Du sac. Non, mais tu passes le sommoir, ça répare. Ouais. Ouais. Après on se fait chier que. Tu passes de ce mois en mettant l'herbe, tu vas voir. Aux endroits où il y avait de l'herbe avant, ça va remettre de l'herbe. Et aux endroits où t'avais de la route avant, il va remettre de la route. Trop bien. Mais ça, ça existe depuis toujours, hein. C'est un bug de farming. Une fois j'ai labouré toute la cour de la ferme, j'ai passé le semoir, j'ai tout remis nickel. Bon après t'as un peu d'herbe qui pousse de temps en temps. je l'avais fait sur ma carrière PS3 aussi. Quand mes silos de biogaz avaient. Mes silos de biogaz, il restait 1%. Et je comprenais pas. Je n'arrivais pas à trouver ces 1%. J'ai labouré tous les silos. J'ai pas trouvé les 1%. Et j'ai ressemé de l'herbe. Et après, j'avais de l'herbe qui poussait un petit peu de temps en temps dans mes silos. Et j'ai fini par trouver les 1% une fois avec le godet comme ça, je suis passé à fond et puis j'ai eu les 1%. Alors que je me faisais chier à les trouver, à les chercher en fait. Tu te rappelles pas Guigui, j'avais les 4 silos qui étaient buggés. Ouais. Sur ma partie à 31 millions. Ouais. Et sans cheater. Hein. Bah non, de toute façon tu peux pas. Hein. Tu peux pas sur PS3. Non, tu peux pas. Mais un silage à bloc. Ouais. Ça rapporte un peu plus en silage quand même. Ouais. C'était le boulot quand même. Ah ouais, mais j'ai triché un petit peu. Parce que en fait, je faisais l'ensilage tous les soirs à gogo. Tu vois. Je mettais à fermenter. Et je disais à ma femme, ah, tu veux pas vider les silos s'il te plaît. Non. Là c'était pas quoi faire quand on me dit j'ai les silos à vider quoi. Ah la vache, je me rappelle à la bonne époque. Ouais, je me rappelle. On arrivait parfois elle était en train de jouer. Ouais, quand t'arrivais, elle était en train de jouer à ma place, elle était en train de vider mes silos. Ouais. En fait des vidéos c'est pas Sébastien qui les a fait en fait, il y a que la voix à Sébastien en fait. Ouais. Non mais j'avais pas le choix parce que je voulais avoir le plus possible de pognon pour voir en combien de temps tu pouvais gagner 1 million, tu vois. 1 million, en combien de temps. En moins de temps possible. J'ai fait, je pourrais même pas te dire le nombre de parties que j'ai réalisées, c'était hallucinant. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dû en m'aider, j'en avais plus. J'avais tellement de parties en cours que. Et donc, je lui ai donné ma partie à 31 millions. C'est vrai qu'il m'a aidé à arriver jusqu'à 31 millions. Et ça, c'est un secret de production. Après, n'allez pas le répéter à mes abonnés. Hein. Bien, je ne réponds de rien. Non, c'est sûr. Tu viens de t'aider alors? Non, c'est bon, j'ai fini moi. J'arrête là. J'ai fait ça bien là. Oh là là, j'en ai marre, qui c'est? Sérieux? Oh, j'ai eu un commentaire aussi, Guigui. Quoi? Depuis que je regarde tes vidéos, je me suis mis à fumer. Merci, Guigui.
Non. Bien sûr. Le tout, il y en a un dire, depuis que je regarde tes vidéos, j'ai commencé à boire. Je, suis je me suis noyé dans l'alcool. J'ai vu tout ça pour. Merci Guigui. Surtout que c'est... je fume pas souvent quand on tourne en plus. Ouais, non, ça va. Ah non, c'est rare. Alors vraiment, c'était. Tu sais, au début. Hein. Au début, ça y allait. Au début, mais là, ça va. Mais c'est vrai qu'au début, vu qu'on était vraiment. Mais vraiment. Je sais pas, moi, ça allait des moutons. On devait passer. Allez, 3-4 heures avant de commencer à filmer, quoi. On jouait 3-4 heures et c'était au moment où on devait filmer que Guigui avait envie de filmer. Non mais c'est vrai, on passait du temps quand même sur la LED autant avant. Là aussi, mais quand même moins de temps parce que voilà, on est plus équipé en fait. Ouais, et mais c'est vrai qu'au début... Là je mettrai une baraque, c'est pour ça que j'ai fait plus large. On est en train de tout leur raconter nos secrets de production. En fait, ils disent pas, mais depuis que je suis arrivé, c'est moi qui ai rapporté de l'argent. Ouais. Moi j'ai rigolé, c'est une blague. Depuis qu'Anthony est arrivé, c'est la merde. Seb est arrivé, on se traîne un boulet. Ah, j'ai pas entendu Guigui arriver. Oh, Guigui, c'est bon. On parle même plus de toi dans mes vidéos. Ah voilà, c'est nickel là. Moi je suis content. Le terrain de cross, et on va le finir. De toute façon, dans la prochaine vidéo, on finit le terrain de cross, on met les bâtiments à placer. On fait quoi? Voilà, c'est tout. Et après, dans l'autre vidéo qui suivra après, donc ça veut dire dans 15 jours, et ben, on commencera à faire les gogoles. Ah ouais, t'as carrément débordé sur la route. Hein. Ouais, t'as vu? Ouais, on mettra les motocross, s'ils fonctionnent en multi. Et des voitures pour faire les cons là-bas et des avions pour les faire les coller. Ah d'ailleurs, avec ta lisseuse, la niveleuse, tu crois qu'on peut faire un rond ou quoi? C'est pour les hélicos. Oh si, essaye, je pense que si tu la fais braquer à fond et tu la casses en même temps, normalement tu devrais réussir. Attends, alors je la casse comme ça, je vais essayer là je la casse. Et tourne la lame presque à fond. Ouais, j'ai fait. Donc, attends. Faut vraiment que j'aille pas sur la route. Non, là je suis trop près. Je vais le faire ici. Voilà, attends. Alors. Oh, nickel. Nickel, mais ça enlève pas tout l'herbe. Ouais, t'as vu, c'est chiant, ça. Ouais. Vois pourquoi c'est sens. Ça. Non, mais je pense qu'il faut aller plus doucement. Attends. Faut repasser plusieurs fois, quoi. T'as vu, elle se salit. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ça fait pas beaucoup. Ma 12e botte de paille, ça. Ouais, les beaux parkings du chef. J'ai même pas fait la moitié du. Bon, il y a quelques petits défauts, mais j'attends de mettre les bâtiments pour voir ce que je vais réparer. Oh, c'est bizarre, il y a une odeur de fosse sceptique quand j'approche tout près de la cabane de chantier. Ah, quand tu prends dans un sens, quelquefois ça va mieux. C'est bizarre. Bah, moi j'ai fait mon petit rond, je suis content. Je pourrais poser mon hélico. Mon petit rond qui n'est plus très long. Voilà. Ouais, il y a de l'herbe qui reste de temps en temps, mais bon, après, ouais. C'est pas grave. Ouais, Seb il viendra avec la débroussaillaise. Ouais. Et tu vois là on l'avait super bien là c'était vraiment génial et il y a de l'herbe qui a repoussé. Bizarre.
Oh là là, je m'approche pas du goudron trop. Dans ta piste. Si à pied. Donc, ouais, je vais voir ma piste. Ça va, ça a séché. Je peux marcher dessus maintenant. Ton petit héliport. Donc là, ce sera la caserne des pompiers. Là-bas, on va poser une tour. Guigui avec ses virages. Il est arrivé bon. Hein. Bah, il est arrivé bon. Il est loin d'avoir fini, mais il a bien travaillé. Il tient le bon bout, on va dire. Ouais, il tient le bon bout. Il tient le bon bout, quoi. Moi aussi, ouais. Attendez, on va aller dans le tracteur directement parce que sinon. Donc voilà, il a mis que ça en fait. 10 ballots quoi. 12. Oh, le premier virage, t'es chaud, je vais tous les envoyer avec moi. Putain, je suis fou là. On va pas laisser les. Ah, je te jure, il y en a un carré qui sait qu'il prend tout le virage. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. 5h de boulot dans l'air là. Eh, je te jure, le minoria, c'est. Bah oui, je savais bien. C'est pour ça que je pensais que t'allais les mettre à plat quand même, quoi. Bah, je sais pas, moi je trouve plus joli comme ça. Donc, ouais, non, mais t'as raison, mais vas-y. On les voit mieux. Ouais, c'est sûr que quand on va arriver à toute balle, on va les voir. Hein, Anto, on va se faire une joie de te les massacrer, tes machins. Ouais. Ouais, mais après, c'est pas grave ça. Ouais, c'est pas grave, pas ça. Attends, je vais donner un petit coup de sauvegarde. Voilà. Donc, bah, nous là-dessus, on vous dit bah à la prochaine. Et ciao. Allez, salut, mec. Salut. Salut.